je m'appelle Magali Bossy, je suis chercheuse, je suis aussi musicienne, accordéoniste et également autrice et journaliste culturelle. Ma thèse concerne le haïku en langue française. C'est un tout petit poème de seulement 3 vers et moi je m'intéresse aux gens, les premières personnes en France qui en ont écrit au début du XXe siècle. Si j'ai eu envie de participer, c'est surtout par amour pour la vulgarisation scientifique, pour le partage, parce que moi j'aime faire du lien avec les gens. À l'Université de Genève, on a plein de gens qui ont des trucs à dire et ça vaut la peine de partager avec le public. C'était beaucoup de répétitions chez moi, devant un public captif et ami, en l'occurrence mes plantes vertes, mes chats et ma famille. Alors je me suis sentie très heureuse à l'annonce du résultat. Aller en finale suisse, ce serait chouette. Aller en finale internationale, ce serait aussi chouette. Et puis si ça se fait pas, ben je viendrai applaudir les autres et je boirai du champagne avec eux quand les résultats seront proclamés. Mon message pour le public, ce serait mais soyez curieuse, soyez curieux de tout. Intéressez-vous à ce qui se fait autour de vous, intéressez-vous à ce qu'on fait dans les universités, ce qu'on fait dans les écoles, ce qu'on fait dans la vie.